Bon, c'est parti. Alors, je démarre sans préambule, sans rien. Jean-Paul Dubois, vous aurez de mes nouvelles. D'ailleurs, si vous en voulez de mes nouvelles, je vous en donne. Je vais très bien, confinée. Bon, j'ai dit sans préambule, sans rien. Alors, j'ai mis mon pantalon, puis ma chemise et mes chaussures. J'ai éteint ma radio. Je suis allée dans la cuisine où je rangeais toujours ma canne à pêche. Et je suis sortie avec elle dans la matinée tiède et brumeuse, passant pour une fois par la porte de derrière, m'éclipsant discrètement afin de ne voir personne et que personne ne me voit. Richard Ford. Je crois qu'on va bien rigoler. Pourquoi fallait-il que cela tombe sur nous? Pourquoi juste en ce moment? Anna était assise sur le fauteuil près de la fenêtre et buvait du vin. Je la regardais debout, les mains croisées derrière le dos. Pendant que dehors, les gens préparaient Noël et sillonnaient les rues comme des chenilles processionnaires, nous étions face à face, immobiles et silencieux, au milieu de ce salon dans lequel le soleil n'entrait jamais. Je savais ce que pensait Anna. Elle pensait la même chose que moi. Elle pensait que la vie ne nous avait pas gâtés. Elle faisait tourner son verre entre ses doigts et son visage pivota lentement vers le mien, mais ses yeux demeurèrent inclinés vers le bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Tu crois qu'on peut le garder? Je sais pas. Pourquoi juste en ce moment et pourquoi nous? C'est vrai qu'Anna avait arrêté la pilule, mais on avait fait attention. On voulait pas d'enfants, ni elle ni moi. On était d'accord là-dessus. Nous n'avions jamais eu un domicile correct, ni de travail stable, et chaque jour qui se levait nous effrayait. Nous ne savions pas si nous nous aimions, mais nous demeurions ensemble. Je vais faire des courses au supermarché. Anna se leva de son siège en s'appuyant sur les accoudoirs. Je l'ai vue traverser la pièce et j'ai pensé « Cette femme-là est enceinte de toi. » La voiture a mis du temps à démarrer, puis lentement, elle s'est éloignée dans les brouillards du tuyau d'échappement. Cette bagnole n'en avait plus pour longtemps, elle nous lâcherait bientôt. Je m'allongeais sur le lit et j'allumais une cigarette. La fumée semblait attirée par l'abat-jour de la lampe de chevet. Elle ondulait autour comme une chevelure bleue. Nous vivions dans une petite maison à la sortie de la ville, une petite maison parmi d'autres. Nous possédions un jardin, mais nous n'avions jamais eu les moyens d'acheter une tondeuse. Alors les herbes poussaient un peu partout et n'importe comment. En hiver, le devant de la porte était en permanence boueux. Si nous gardions l'enfant, nous serions obligés de rester ici et d'oublier nos envies de bougeotte. Nous serions condamnés à prendre racine entre les herbes folles et la gadoue. Je vivais avec Anna depuis 2 ans. Tout ce temps nous avait glissé entre les doigts, sans que nous ayons eu la moindre prise sur lui. Nous avions subi tous ces jours les uns après les autres, l'un près de l'autre. Le seul être vivant qui ait jamais partagé notre existence était un chien noir qu'Anna avait recueilli. Il était mort au bout d'un mois d'une pyroplasmose. Anna avait dit que c'était à cause des hautes herbes, à cause de ces saloperies de tiques qui traînaient là-dedans. Elle avait peut-être raison. Anna revint avec 3 sacs pleins de victuailles. Il y avait aussi de la bière et des gâteaux. La voiture fume de plus en plus. J'ai vu. Le moteur est fichu? Je crois bien. Mais comment on va faire? Faut mettre de l'huile jusqu'à ce qu'elle claque. Et après? On verra. On mangea en écoutant les nouvelles à la radio. Ça nous évitait de parler, de nous avouer ce qu'on ressentait au fond de notre cœur. Ensuite, on a pris la voiture pour aller faire un tour en ville. Il y avait des guirlandes partout et les vitrines des magasins étaient allumées. On roulait lentement au milieu de ces lueurs, on roulait en pensant que tôt ou tard, il faudrait bien rentrer chez nous. Dans le lit, Anna se pelotonna contre moi. Elle grelottait, je la serrais dans mes bras. Son souffle me réchauffait la poitrine. Je sentais sa peau glisser entre mes doigts, sa peau douce comme du ruban de Noël. Ses mains froides m'ont caressé l'intérieur des cuisses et puis elle a murmuré « Maintenant, au moins, on n'a plus besoin de faire attention. » J'ai souri dans le noir. Il n'y avait pas de quoi. Le lendemain, nous sommes restés au lit. Rien ni personne ne nous attendait. On a traîné toute la matinée sous les couvertures. Vers 13 h, j'ai préparé du café et des toasts. Et vers 13 h, Anna avait oublié d'acheter du jus d'orange. C'est pas ça, je me suis trompée.
Le lendemain, nous sommes restés au lit. Rien ni personne ne nous attendait. Vers 13 h, j'ai préparé du café et des toasts. Anna avait oublié d'acheter du jus d'orange. Je me suis habillée avant de m'installer sur le canapé du salon. Anna est venue m'y rejoindre. Je pense qu'on ne peut pas le garder. Avec la vie qu'on mène, on ne peut pas avoir un enfant. Une vie, ça se change. On n'a jamais vécu autrement. Tu pourrais élever un gosse, toi, ici, te lever tous les matins et partir au travail? Bon, je l'ai déjà fait. Mais t'as toujours tout plaqué. Tu tiens pas en place. Alors, il n'y a qu'à faire comme tu dis. Tu vois, toi non plus, tu veux pas le garder. Je sais pas ce que je veux. Quoi qu'on décide, ce sera difficile. Le ciel ressemblait à une pelote de laine. On sentait que le froid poussait contre les vitres. On n'a jamais fait ramonner le tuyau de la chaudière depuis qu'on habite ici, a dit Anna. Faudra y penser. En fin d'après-midi, la mère d'Anna a téléphoné. Elles ont parlé toutes les deux pendant plus d'une demi-heure. Anna n'a fait aucune allusion à son état. J'en ai conclu qu'elle avait pris une décision. J'ai préparé le dîner et on est passé à table. La journée s'était écoulée sans que nous mettions un pied dehors. Elle avait raison. C'était pas une existence à faire partager à un enfant. Nous nous sommes réveillés de bonne heure. Anna était énervée, elle avait fait un peu de ménage dans la maison et à 9 h, elle était déjà douchée et habillée. Je vais à l'hôpital prendre rendez-vous. T'es sûre? Oui, j'y vais. J'ai enfilé mon pantalon et en glissant mes affaires de la veille dans la corbeille de linge sale, j'ai dit « Je t'accompagne ». Avec le froid, j'avais l'habitude. Ça servait à rien de soulever le capot et de mettre ses doigts dans le moteur. Au point où on en était, la voiture le matin, fallait la réveiller doucement, en donnant des petits coups de démarreur. Il suffisait d'être patient. On roulait lentement en essuyant régulièrement la buée sur le pare-brise. La commande de dégivrage était cassée. Je l'avais jamais remplacée. Les gens entraient dans les bars et les magasins. On devinait qu'il faisait bon à l'intérieur. Tout le monde préparait Noël et notre pare-brise dégoulinait de condensation. Une hôtesse nous fit asseoir dans un hall, laqué de peinture orangée, où patientaient d'autres personnes. Anna croisait les jambes. Elle était la seule à adopter cette position. Tout le monde gardait les pieds au sol, bien parallèles. Le médecin n'avait pas d'âge. Il posait des questions à Anna et prenait distraitement des notes. Des histoires comme la nôtre, il devait en entendre toute la journée. J'ai regardé ses mains et j'ai pensé qu'elle connaissait tout du chagrin et de la douleur des femmes. Moi, je me tripotais les doigts. Je me demandais si la voiture redémarrerait. De retour de la salle d'auscultation, Anna et le médecin m'ignorèrent, comme si tout cela ne me concernait pas, comme si je n'avais rien à voir dans l'affaire. Ils parlaient entre eux de dates de règles, de cols d'utérus rétroversés, de choses dont j'ignorais tout. Qui ne m'avait jamais fait souffrir. Le gynécologue reconduisit Anna dans le couloir et lui tendit la main en disant « À demain ». Je n'arrivais pas à dormir. Je sentais près de moi les seins de ma femme. Je n'avais pas envie d'elle. Je pensais à son corps tel qu'il serait installé demain sur la table d'examen. Je pensais à ses jambes écartées, à ses pieds pris dans les étriers, à ses genoux pliés. Je pensais à ces instruments qui la pénétreraient, à ces lumières qui l'éclaireraient jusque dans son extrême nudité. Je pensais à cette souffrance à venir, au retour en voiture et à la buée froide sur le pare-brise. La nuit était calme, il ne neigeait pas. Cette fois, la batterie nous avait lâchés. Le temps était trop froid. À chaque coup de démarreur, le témoin lumineux de la charge s'éteignait. La voiture est en panne. Anna attendait. Habillée dans la cuisine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il va falloir la pousser. Reste là, je vais essayer de trouver un ou deux types dans la rue pour m'aider. Tous les gens étaient au travail. Il n'y avait plus personne sur les trottoirs. J'ai attendu un moment, j'ai sonné en vain chez deux voisins, et puis je suis revenue à la maison. On va s'en tirer tous les deux, a dit Anna. Et au bout d'une cinquantaine de mètres, le moteur a toussé et j'ai réussi à l'emballer avec un bon coup d'accélérateur. Les jambes repliées sur son siège, grelottante, Anna a dit « Pourquoi on n'arrive jamais à faire les choses normalement ?»« Je sais pas, on s'est peut-être trop laissé aller. » Anna essaya de couvrir ses genoux avec son manteau. Elle n'y parvint pas, il était trop court. Je songeais que quand tout serait fini, on pourrait peut-être partir vers le sud et prendre l'hiver de vitesse. « À quoi tu penses ?» demanda Anna.
Je me demande si la voiture va redémarrer pour partir de l'hôpital. La salle d'attente orange était presque vide. On s'est assis côte à côte. Nous n'avons pas croisé les jambes. Nous sommes restés là, immobiles, jusqu'à ce qu'on nous appelle. Jamais nous n'avions été aussi loin du sud et des fêtes de Noël. Une infirmière est venue chercher Anna et m'a demandé de patienter. Ma femme s'est éloignée dans son manteau trop court et j'ai compris soudain qu'on était en train de faire une bêtise, que ce gosse, c'était peut-être une chance qui pouvait nous aider à trouver en nous de quoi s'en sortir, nous obliger à vivre tous les jours. J'ai bondi de mon siège et j'ai rattrapé Anna. « Allez, viens, on s'en va. » J'ai pris sa main et nous avons couru vers la sortie, comme si nous nous évadions. Dans la voiture, Anna a passé ses doigts sur ses yeux. Je gardais mes mains sur le volant. « Pourquoi t'as fait ça ?»« Parce que, tous les trois, je crois qu'on va bien rigoler. » J'ai tourné la clé de contact. Le moteur s'est lancé tout de suite. De notre vie, nous gardions tout. Nous ne laissions à l'hôpital qu'un gros nuage de fumée bleue. Prends soin de toi. C'est l'odeur de l'essence qui m'a réveillée. L'odeur et le bruit des voix. Je me suis redressée sur mon siège. À l'intérieur de la station-service, le pompiste s'en prenait à une femme plus jeune que lui. Si elle en avait assez, elle pouvait partir. Mais la fille ne semblait pas décidée. Près d'elle, deux hommes en bras de chemise buvaient de la bière. L'air était encore chaud. Personne ne roulait sur la route et même dans le lointain, on ne percevait aucun bruit. Nous étions au cœur du désert. Il ne restait plus que deux cigarettes dans mon paquet. J'en allumai une. Cet endroit était le seul îlot de vie à des kilomètres à la ronde. Ici, il y avait de la lumière, des boissons fraîches, de quoi manger, fumer, téléphoner, réparer. De quoi s'en sortir. Tout autour, dès que l'on s'éloignait de ces barres de néon, ce n'était que le sable et la nuit. Le pompiste bouscula la fille et d'une démarche lourde, il s'approcha de moi. « Tu sais pourquoi la voiture chauffe ? » Moi, j'ai regardé. Une durite qui fuit. « On fait quoi ? » ?»« Vous avez de quoi réparer ? » ?»« J'ai toutes les durites. Si je les ai pas, je les fais. C'est comme ça. » L'homme prit une boîte de soda et traversa la piste. Il souleva le capot de la Mercury et alluma sa baladeuse. Les deux buveurs de bière rappliquèrent et se postèrent devant le moteur, main derrière le dos. Le garagiste trempa sa casquette dans un seau d'eau qui servait à nettoyer les pare-brises, la rajusta sur son crâne et se mit au travail. Au travers de la vitre, je voyais les gouttes ruisseler sur les mèches grasses de ses cheveux, glisser sur son visage et tomber sur le radiateur brûlant de la voiture. Debout devant la porte de la station, la fille fumait. Je la rejoignis en me passant les mains sur le visage. De gros hannetons voltaient autour des ampoules. Le garagiste, couché sous le moteur, se tordait au sol comme un serpent. Il jura, poussa un grognement écœurant et aussitôt un liquide brunâtre s'écoula du ventre de la voiture. Les deux acolytes se penchèrent pour ne rien perdre de cette hémorragie. J'allais me servir une bière fraîche dans le distributeur et m'assis dehors, sur le banc, tandis qu'au-dessus de ma tête, les insectes dansaient comme des diables dans le faisceau de la lampe. En bordure du noir, tout au bout de la piste, la fille allait et venait, les bras croisés sous ses seins. Je ne voyais que le mouvement régulier de ses jambes, je n'entendais que le bruit claquant de chacun de ses pas. Les trois types du garage examinaient la durite comme s'il s'agissait d'un morceau d'intestin. Ils semblaient préoccupés. Au bout d'un moment, le pompiste s'avança vers moi. Vaut mieux vous le dire, on va pas la voir. C'est comme ça, on peut pas la faire non plus. Elle est trop tordue, il y a trop de coudes. On la commandera demain. Vous pouvez dormir ici, on loue des bungalows. Ma femme va vous montrer. Le lit était recouvert d'une cotonnade blanche. Il y avait une commode près de la porte et dans un renfoncement, un lavabo, une douche et un WC. Dissimulé par un rideau de plastique. La femme ne parla pas. Elle fuma et resta plantée au milieu de la pièce, dans le noir. Dehors, le pompiste cria. « T'attends quoi pour brancher le générateur électrique ?» L'ampoule du plafond clignota et puis émit une lueur faible. Par la fenêtre, je regardais la femme s'éloigner dans la lueur irréelle des pompes, parmi la myriade d'insectes qu'elles attiraient.
D'une certaine façon, ce soir, moi aussi j'avais été captée par elle. Je n'arrivais pas à m'endormir, j'écoutais tous les bruits. Je pensais que la fille dehors devait être dans le même état que moi. À l'abri du soleil, le garagiste et ses deux adjoints têtaient toujours leur bière en faisant des commentaires sur la durite qu'ils se repassaient de main en main. Je les rejoignis. Finalement, j'ai pu réparer. Pendant que vous dormiez, je vous ai bricolé quelque chose. Vous pouvez rouler tranquille, c'est pas du provisoire. Les deux acolytes ont souri en me regardant. J'ignorais ce qu'il fallait en penser. À l'intérieur de la station, près du ventilateur, dans les mêmes vêtements que la veille, la femme du pompiste fixait la roue déserte. Je fis quelques kilomètres sans pousser le moteur. Cela n'empêcha pas l'aiguille du thermomètre d'eau de monter. À la moindre côte, le radiateur bouillait. La cabine était exposée en plein soleil. Je décrochais le téléphone et aussitôt mon front se couvrit de transpiration. Après la tonalité, je composais le code international pour l'Europe, puis mon propre numéro. En écoutant les sonneries successives, je songeais que, là-bas, de l'autre côté de l'océan, il était près de minuit. J'imaginais l'appartement dans le noir. Je revoyais les tableaux de la chambre, le lit blanc et le téléphone qui appelait dans le vide. J'ignorais où était Elisabeth. Elle devait marcher ou bien dîner dans la fraîcheur de la nuit. En raccrochant, j'essuyais mon visage. Avant de remonter dans la voiture, j'ôtais ma chemise et j'enfilais un polo sec. Des busards tournoyaient dans le ciel et la route s'étirait comme un long cheveu à perte de vue. À mes pieds, une colonie de fourmis s'attaquait à la dépouille d'un mulot mort. Le goudron était brûlant, il collait à la semelle de mes chaussures. J'actionnais le démarreur, enclenchais une vitesse avec le sélecteur et lentement, je démarrais. Le paysage était déprimant. Une terre aride, piquée par endroits de buissons secs. De temps à autre, je croisais une voiture où j'apercevais les vestiges d'un motel. Si la Mercury tenait le coup, j'arriverais peut-être au Mexique avant la nuit. Je roulerais encore une bonne heure en me demandant si Elisabeth était rentrée. J'avais du mal à me figurer ce qui se passait là-bas. À quoi la vie ressemblait-elle puisque j'étais partie? Je savais seulement que nul n'est indispensable, que les absents sont toujours coupables, que rien ne résiste au temps, et qu'une femme ne tient jamais à un homme tant qu'il est là. Loin, dans le bouillonnement de la chaleur, je vis un point noir au bord de la route. C'était un type qui faisait du stop. Il semblait agité et se balançait d'une jambe sur l'autre. Je passais devant lui sans m'arrêter, et puis freinais au bout d'une centaine de mètres. J'enclenchais la marche arrière et je me portais à sa hauteur. Le voyageur était jeune, sa barbe éparse, ses cheveux gras. Son visage avait des proportions bizarres, pas laides, mais bizarres. « Je vais à Nuevo Laredo. »« Monte. » L'embrayage patina légèrement avant de lancer la voiture à sa vitesse de croisière. « Je m'appelle Adam. »« Adam Adams, » dit le jeune homme. « Tu attendais depuis longtemps dans cette fournaise ?»« Depuis midi. » Un routier m'a fait descendre de son camion parce que je fumais des trucs qui lui plaisaient pas, tu vois le genre. Avec moi, tu peux fumer ce que tu veux. Adam Adams sortit un joint de sa poche et l'alluma voluptueusement à l'aide d'un briquet tempête. L'habitacle de la voiture s'emplit d'une odeur agréable. Rien qu'à voir la touche de ta voiture, je savais que t'étais pas un emmerdeur. Je suis sûr que t'es pas un type à cracher sur une barre. En tirant sur le mégot brûlant d'Adam Adams, j'ai senti sur ma langue le picotement de l'herbe fraîche. Ensuite, je suis resté silencieux, attentif au bruit suintant des pneus sur le goudron à demi fondu. J'imaginais que la voiture glissait sur une fine pellicule d'eau et, en réglant machinalement le rétroviseur, je souriais. Adam Adams s'était assoupi, le visage balayé par le vent. Une heure plus tard, je me suis arrêté dans une station pour faire le plein d'essence. J'ai remis de l'huile dans le moteur, de l'eau dans le radiateur, et j'ai acheté des boîtes de bière fraîches. La frontière était encore à plus de 6 heures. Quand je revins à la voiture, Adam Adams tripotait quelque chose dans une boîte de métal. En démarrant,
J'aperçus des traces de poudre blanche sur ses doigts. De la cocaïne ou quelque chose comme ça. Tu comptes quand même pas passer la frontière avec tout cet attirail? Mais t'en fais pas. D'ici Nuevo Laredo, on aura tout liquidé. Il referma sa vitre, sortit une vieille pipe, déposa une plaque d'aluminium trouée sur le fourneau, la saupoudra de sa mixture qu'il enflamma avant d'inhaler, la fumée d'une inspiration violente. L'odeur âcre de cette combustion m'incommoda. Je t'en prépare une ? À 7 heures, Elisabeth était sûrement rentrée. Je n'avais plus envie de lui parler ni de lui avouer que je roulais dans une voiture bouillante au milieu d'un désert hostile, en compagnie d'un gosse prêt à téter un pot d'échappement. Quand je vais allumer, pompe un coup sec. C'est quoi ? Du buffle. Sans chercher à en savoir davantage, j'aspirais un coup sec. La fumée m'écorcha la gorge et les bronches comme si j'avais avalé un buisson piquant. Adam Adams avait déjà remballé ses affaires et commençait à se tortiller sur son siège. Il caressait son sexe à travers son jean. Il s'en faisait pas. Je ne me sentais pas très bien. Je roulais encore quelques kilomètres et puis je stoppais en lisière du bas-côté. Mon corps se contractait, se condensait. Tandis que mes membres devenaient de plus en plus rigides autour de moi, le désert tournait comme un manège. La paralysie me gênait. Je passais ma langue déjà durcie sur mes lèvres et j'eus l'impression de lécher du marbre. Enroulé sur lui-même, Adam Adams ne bougeait plus. Il était aussi recroquevillé qu'une coquille d'escargot. Dans un dernier effort, et sans savoir pourquoi, je verrouillai ma porte avant de m'abandonner à la charge de buffle. Je rouvris les yeux le lendemain matin. Je ne me souvenais plus de grand-chose, sauf des hallucinations que j'avais eues toute la nuit. Adam Adams dormait sur la terre du désert, étalé, défait, sa bouche embrassant la poussière. Je sortis avec difficulté de la mercurie en grognant, pris un jerrican d'eau dans la malle et le versai sur ma tête. J'avais mal partout. Un instant, je songeais à repartir en laissant le gosse là où il était, errant parmi ses buffles. Mais je m'approchai de lui et le secouai doucement. Il leva une paupière, avala un peu de sable et se rendormit. Je lui passai de l'eau sur la nuque et le front, je lavais sommairement ses lèvres et le transportait jusqu'à la voiture. J'étais hors d'haleine. Je roulais une bonne demi-heure avant de m'arrêter pour déjeuner dans un relais de routier. Mon estomac naviguait dans tous les sens et je sentais mon sang bouillonner douloureusement dans mes tempes. Je bus un café brûlant et je mangeai un beignet. Je pris une longue douche et je changeai de vêtements avant de revenir à la voiture. J'y retrouvai Adams complètement réveillé, un joint piqué au coin des lèvres. « Ah, oh, ça va pas recommencer !»« Mais c'est juste un pétard. Alors balance-moi ça. »« Bon, comme tu voudras. »« Qu'est-ce que tu nous as fait avaler hier soir ?»« Mais je t'ai dit, c'était du buffle, mon pote. »« Mais c'est quoi le buffle ?»« Je sais pas, c'est du buffle. »« Alors tu prends des trucs et tu sais même pas ce que c'est. »« T'as pas aimé ?»« Pas vraiment, non. »« C'est parce que c'est la première fois. »« Peut-être aussi la chaleur. »« Tu sais pourquoi on appelle ça du buffle ?»« Parce que ça charge. » T'as gagné, mon pote. En tout cas, jusqu'à la frontière, tu t'en tiens aux barres de chocolat. Tu veux pas essayer une douche ? Tu vois, la douche, là, je la sens pas. J'ai démarré en douceur. Adam Adams alluma la radio et chercha une station qui diffusa autre chose que de la country, et puis il chaussa ses lunettes de glacier et s'enfonça dans son siège. Vers midi, je stoppais près d'une cabine de téléphone. J'avais fait une provision de pièces au relais. Une nouvelle fois, je composais le code de l'international et puis mon propre numéro. Elisabeth décrocha la 4e sonnerie. Sa voix était parasitée par toutes sortes de souffles et de grésillements. J'aurais dû faire mes pancakes. Ça te dérange pas ? Hein ? J'ai envie de faire mes pancakes. C'est pas grave. J'ai eu peur parce que je savais pas si tu venais. Et je suis passée, j'ai fait.